Donc Majorel, c'est une marque du groupe Téléperformance. Téléperformance, c'est un acteur mondial de l'expérience client externalisée. Téléperformance, globalement, c'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 500 000 collaborateurs, présents dans 170 pays. Et Majorel, sur le marché francophone, c'est la marque de Téléperformance sur le marché francophone. On a 22 000 collaborateurs, on opère au départ de 5 pays et on fait de l'expérience client externalisée, c'est-à-dire qu'on opère en marque blanche pour le compte de grandes marques, en front, en middle et en back office. Et moi, sur ce marché, je suis directeur du développement sur la partie banque assurance. Alors, les actualités de Majorel actuellement. Donc, Majorel, énormément de nos clients nous demandent des innovations pour améliorer les opérations qui nous sont confiées. Et dans ce cadre-là, comme chacun de nos clients sont spécifiques, on organise des learning expeditions avec nos clients et on leur présente des solutions qui sont soit développées en interne via notre lab interne pour améliorer l'expérience des collaborateurs et donc les rendre plus efficaces, ou soit des solutions qui sont développées par nos partenaires. Donc on a deux partenaires externes qui sont Eura Technologies et Wilco, qui nous permettent de sourcer des solutions externes pour améliorer notre chaîne de valeur. Et donc grâce à ces partenaires et à nos solutions, on organise des proof of concept pour valider la qualité de l'exécution de ce type de prestations et ensuite généraliser sur les opérations. Alors les sujets importants dans l'univers de l'expérience client, c'est l'IA. Hein. Beaucoup de nos clients nous demandent beaucoup de choses avec l'IA, donc on fait pas mal de tests avec l'IA. On a fait, généralement, on teste pas mal de choses, mais on a trois dimensions sur lesquelles on s'est vraiment musclé. La première, c'est la partie connaissance du collaborateur. On a mis de l'IA sur les bases de connaissances pour aider le collaborateur à monter en compétences plus rapidement et aider le collaborateur à proposer des next best actions, ce qui permet de pouvoir faire des rebonds commerciaux beaucoup plus simplement ou être plus efficace sur du recouvrement amiable. Donc sur la deuxième dimension, c'est plutôt sur les opérations back-office. On fait beaucoup de back-office chez Majorel, c'est-à-dire des opérations d'octroi ou de la gestion de sinistres. Et donc là, on a développé des outils d'IA pour aider nos collaborateurs à prendre les bonnes décisions, faire les bons contrôles et avoir un meilleur taux de conformité dans leurs opérations. Et la troisième dimension, c'est les bots. On fait beaucoup de IA avec des bots pour diminuer les temps de prise en charge sur certaines typologies d'actes. Et l'idée, c'est toujours de proposer des solutions avec de l'IA pour améliorer les opérations qui nous sont confiées en mettant le client final au cœur de toutes les attentions.